Eh bien le bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un jeu vidéo, The Sexy Brutal, sorti le 7 décembre 2017, développé par le studio Cavalier Game Studio et édité par Tequila Works, qu'on a pu déjà voir avec le jeu Rime par exemple, et qui est d'ailleurs un très bon jeu. Mais ici on n'est pas dans la même ambiance. Bienvenue au Sexy Brutal, un manoir infini et baroque qui vous plonge dans l'ambiance mystérieuse d'un bal masqué où il vous faudra mener l'enquête. En effet, 7 invités vont se faire assassiner en une après-midi par les majordomes de la maison. Et vous êtes la seule personne à pouvoir les empêcher grâce à un étrange pouvoir qui vous fait remonter le temps et vous permet de vivre encore et encore la même journée. En commençant votre journée à midi, vous aurez le temps de vous renseigner sur les prochaines victimes et comment les sauver au moment opportun en se servant de leur routine et de leur déplacement du jour. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, il y aura des retournements et le système de jeu saura renouveler son rythme. A noter que la musique est véritablement superbe et colle parfaitement avec l'ambiance du casino. La direction artistique est originale, riche, colorée et contraste avec l'environnement sombre du jeu. Dernier point, l'histoire est très plaisante à suivre, cohérente et séduisante. Gros coup de cœur pour ce jeu plein de charme et d'événements surnaturels que vous ne lâcherez pas de sitôt. On ne peut pas s'empêcher de penser à Un jour sans fin et le système qui nous fait remonter le temps nous rappelle aussi bien Majora's Mask que Life is Strange. Sur ce, à demain !